il n'y a plus de balles. C'était peut-être à ça que servait le lance-roquette. Mais lui faut combien de balles pour qu'il veuille bien mourir? Ah mais c'est pas l'hélico dans lequel je tire, c'est sur le monsieur en rouge. Ah non, peut-être que j'aurai plus de résultats en tirant sur monsieur sur l'hélico. Ah voilà, ça y est. Notre artilleur est touché. Camouflage activé. Camouflage activé. Allez, on va voir dans le trou si j'y suis. Des 20 babales. Des jolies petites babales. Ah voilà. Des babales, des babales, des babales. Et non pas des trous de balles, c'est pas la même chose. Oh, le beau monsieur qui faisait Peter Pan. I believe I can fly. Armure et... Clutch. Voilà. Ah. Ok, t'y es. Passe la coque au scan. Accéder et pénétrer dans les pannes. Moi j'accède à personne sans leur consentement. Ok. C'est un drôle de magasin ça. Analyser la matière biologique. Oh. On dirait mes crottes de nez. Tenez la biomasse, bah j'essaye. Prélèvement de tissu extraterrestre, on n'a plus rien à faire ici. Tire-toi de là. Ouais, j'étais pas loin avec mes crottes de nez finalement. C'est dégueulasse. Oh, c'est dégueu.
barrer d'ici. Cause du décès. On va être par là. Alors, qu'est-ce que j'ai encore raté? Ah, je suis content, mon PC a pas lâché. J'irai quand même voir vite fait demain les tarifs. Vous vous foutez de moi, maintenant il s'est ouvert là, quoi. Les échanges, joli, pas beau. Nano-intrusion détectée. Correspondance insuffisante. Rejet. Et qui m'a fait, moi, j'ai monsieur. Prélever un échantillon de tissu alien. La résistance, saloperie. Armure massive. Obtenir un échantillon de tissu alien. Ah, ça y est, j'ai mes points d'XP. Tissu alien détecté. Interface activée. Tissu alien absorbé. Traitement. Prélever des nanocatalyseurs sur les cadavres de personnalisation nano-combinaison. Ouais, vous pouvez changer le module que vous voulez utiliser, mais vous êtes limité à un module actif par unité. Vous pouvez également modifier les paramètres d'utilisation des modules déverrouillés. C'est bon. Maintenant, fous le camp, prophète. Dirige-toi vers le FDR. L'échantillon de tissu alien à Goulou. Accédez au laboratoire de Goulou via le FDR. Ils ont bien changé les aliens depuis le premier. C'est quoi le point jaune là-bas que je vois? Ah, je vois un point jaune, mais je vois pas la carte. Qu'est-ce que c'est que ce point jaune? Ça a disparu. Cette carte est un mystère. Non pas un mystère. Nanovision activée. Je vois des gens qui sont morts. Bon, je pense que je vais devoir descendre dans le tutu. Bloqué par un petit machin. Vision active.
est activé. Donc maintenant, si je vais le voir, je vais gagner de l'XP. J'ai pas compris. Camouflage activé. Des babas. Pas très gentil, messieurs. Vous connaissez pas la chanson? Les aliens sont nos amis, il faut les aimer aussi. Camouflage activé. Camouflage activé. Il est mort. Bah non, il est pas blessé, il est juste mort. Bordel. Oh, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Tiens, j'ai rien à voir, mais je suis Xboxygène et ils ont fait un article comme quoi Microsoft aimerait se rapprocher de Square Enix. Et dedans, ils parlent des jeux que Square Enix a sortis sur Xbox et il y en a plein qui sont pas sortis dessus. J'étais là en mode, mais le rédacteur, il a fumé quoi en fait? Ah, maintenant, il y a encore une rumeur comme quoi Sony a acheté l'exclusivité de Castlevania, Metal Gear et un autre jeu Konami. Mais pas Silent Hill, un autre en fait. Je crois pas que ce soit une question que les Japonais aiment pas les Américains. Pour moi, c'est clairement comme on... Oui, à l'époque. Moi, c'est clairement Sony qui paye pour exclure la Xbox. Ouais, bon. On verra fin du mois. Bah, ça en fait des nouveaux, mais on les voit pas sur Xbox. Mais moi, en fait, c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux fanboys Sony, mais c'est le truc que j'arrive pas à leur faire comprendre, c'est que un jeu exclu, ne me dérange pas. Donc, à l'époque, Spider-Man, God of War, tu vois, quand ça sortait pas sur PC, je parle d'exclu. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça a toujours été comme ça. Bon là évidemment je prends des exemples de jeux Sony hein, mais bon. Mais dire non, je paye pour que vous ne sortiez pas votre jeu sur cette plateforme, donc exclure, ça je trouve pas ça normal. Camouflage activé. Et ça, les fanboys Sony ne comprennent pas. Je me fais insulter chaque fois que j'essaie de leur faire comprendre la différence entre exclu et exclure. Ben, c'est de l'anti-concurrence, mais tout le monde s'en fout. Enfin, c'est pas puni. Le congrès américain apparemment commence à peut aller voir... Traitement du tissu aérien, assimilation au biocode.
Bah, il vaut mieux tard que jamais, et si ça peut permettre de casser les contrats pour dire « Bah oui, bah maintenant vous avez plus le choix, sortez FF7 Remake sur Xbox, parce que vous avez été contre la loi. » Il vaut mieux tard que jamais. Il vaut mieux tard que jamais. Sony est tellement en roue libre à faire ce qu'ils veulent, et les fanboys, à nouveau, je suis pas pro-Microsoft, je suis juste anti-Sony, anti-fanboy Sony, parce qu'ils sont tous... Ils sont tous des cons, je suis désolé, chaque fois que je leur parle, je me fais insulter. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Prophète, je sais pas ce que t'as foutu là-bas, mais le signal de la combinaison est complètement détraqué, il crève le plafond. J'ai des protocoles d'interface qui tournent en boucle sur tous les systèmes du labo, et toute une pile de brevets biotech signés Hargreaves. L'exemple que tu donnes, c'est l'exemple de Baldur's Gate 3. Une sorte de routine intégré aux couches profondes de la combinaison. J'ignore ce que ça signifie. Bon, emprunte le MDR et rejoins-moi au labo. Je sais pas combien de temps je pourrais tenir. Alors traîne pas. Oui, mais ça c'est... Ça y a pas de souci non plus. Redfall, pardon. Excuse-moi. Moi, j'ai pas regardé. Après, bon, comme j'ai dit là tantôt, hein, j'ai acheté Redfall en boîte, je l'ai pas encore lancé vu que. Pour l'instant, le SEL a déployé des points de contrôle. Il m'intéresse pas plus que ça. J'ai intercepté une de leurs transmissions et il semblerait que Lockhart supervise l'opération en personne. Il est dans le coin, prophète. Essaie de la jouer discret. Ah, des échantillons de tissu alien à couleur. Après, on en avait discuté, j'avais pas non plus été. Le plus grand fan. Je vais garder pour le faire les silencieux. Après, oui, c'est clair que. Enfin, je sens y avoir joué par rapport à ce que j'ai vu. Redfall m'intéresse nettement moins que refaire après. Là, je l'ai acheté parce que, en général, j'achète toujours les jeux des One et tout. Et en plus, je pensais qu'il baisserait de prix, comme j'ai toujours eu l'habitude sur Amazon, et là, pas du tout, quoi. Eh oui, et donc, pour revenir avec les fanboys machin, le mec, pour essayer de me faire comprendre, exclure, il me dit « Ouais, mais Xbox fait la même chose, j'ai genre Vampire, machin bidule. » Je dis « Mais non, ce sont des jeux Microsoft, on vous exclut pas, c'est des jeux qui sont de Microsoft. » Est-ce que vous sortez Spider-Man machin? Ben non, bah c'est pareil. C'est pas qu'on exclut Microsoft, c'est pas qu'on exclut Sony. Mais bon, voilà, ça, non, ils veulent pas comprendre. Je me fais insulter. Techniquement, j'ai la PlayStation 5, hein, je l'ai allumé, j'ai joué un mois là, quand je l'ai eu. J'ai fait Ghost of Tsushima, j'ai fait les Spider-Man, enfin je l'avais déjà fait mais je l'ai refait. Je l'ai plus allumé, enfin je l'ai rallumé pour une fois faire les mages, mais. Parce que, bon, déjà, j'aime pas la manette, ça c'est personnel, mais. Après, c'est le même problème pour moi pour la Switch, hein. Je joue quasiment jamais avec. Et pourtant, j'ai aussi des dizaines de jeux. Je crois que le dernier jeu que j'ai fait sur la Switch, c'est Pokémon. Et le prochain, bah, c'est Zelda. J'ai toujours pas fait Xenoblade 2, ni le 3. Là, il y a le Pixel Remaster qui est sorti dessus. Je l'ai acheté, je l'ai pas fait. J'ai YS 9 et 10, ou 8 et 9, enfin bref. Un jour, moi aussi. On a ordre de le neutraliser. On débattra des droits de l'homme quand on aura rempli la mission. Il sera plus utile vivant. Ah vraiment? Et utile pour qui? Ce type vient de massacrer plusieurs de mes hommes, mademoiselle Strickland. Je ne prendrai aucun risque.
prophète va crever. Et Hargreave pourra même faire mal. Hargreave veut la combinaison. Il l'aura. Ça ne va pas lui plaire. Et la dernière fois, on a tous les deux travaillé pour lui. C'est là que vous faites erreur, mademoiselle Strickland. Vous travaillez pour lui. Je reçois mes ordres du sel et de la défense. Rien à foutre de faire plaisir à un vieil actionnaire sénile comme Hargreave. Il est actionnaire majoritaire et ancien président du directoire de Crynet. Vous ne devriez pas tourner le dos à des gens influents, Lockhart. La discussion est close. Ah, m'en parle pas, moi aussi, en niveau de jeu, j'ai de quoi faire. Là, je refais les Crysis. Parce que j'ai pas envie de commencer un gros jeu avant la sortie de Zelda. Pourtant, vendredi, je me lève. Je vais chercher mon collector, je vais voir ma psy. Ah putain! Hop. Zelda. Ah bon, je suis tranquille, j'ai quelques vidéos d'avance pour mon YouTube. Je vais encore faire une vidéo de Disneyland d'aventure. Pas ouais, vraiment tranquille et. Il a fait pour me voir. C'est pas en invisible. Camouflage activé. Là, ces vidéos sur YouTube, elles vont arriver méga tard. J'ai plein d'autres vidéos en priorité à regarder. Ouais, ça, je suis content de pas trop être MMO. J'ai essayé. Le seul MMO que j'ai bien joué, c'est le Star Wars. Et encore bien joué. J'ai fait un scénario, quoi. Camouflage activé. Sinon, j'ai essayé World of Warcraft avec mon ex. Mais on jouait différemment et bon. Moi, tout seul, je suis motivé, mais après un certain temps, j'arrête. Donc, payer tous les 2-3 mois là. J'ai un abonnement depuis je crois 4-5 ans. J'ai toujours pas déballé. Et j'ai essayé de me mettre à Seigneur des Anneaux en ligne. Et j'aime beaucoup, mais j'y joue. Je fais la première zone et puis j'arrête. Camouflage activé. C'est. Donc j'adhère, mais je ne sais pas pourquoi je ne peux pas m'y investir. En fait, je capte pas mal d'activités du sel dans les parages. S'ils trouvent le labo, on est foutus tous les deux. Il va falloir que tu mettes le turbo. Et FF14, quand j'ai eu ma PlayStation 5, c'est la première chose que je me suis dit. Je vais y jouer. Comme il est gratuit jusqu'au niveau 60, machin bidule, et finalement je l'ai jamais acheté. Enfin, techniquement, j'ai le collector. Un des plus grands regrets de ma vie, c'est d'avoir vendu la boîte de FF11. Je l'avais. J'aurais jamais dû vendre ce truc. Camouflage activé. Mais voilà, je n'ai pas lancé. J'avais essayé DC Universe. J'ai bien aimé, mais à nouveau, j'ai arrêté très vite.